Ce vendredi 8 novembre, Alain Delon aurait célébré son 89e anniversaire. À cette occasion, son fils Anthony a tenu à lui rendre hommage en publiant une vidéo inédite, enregistrée en 2022, dans laquelle l'acteur livre des confidences sur sa propre fin de vie. Si Alain Delon aurait dû fêter ses 89 ans en ce jour, le destin en a décidé autrement. Le légendaire interprète du samouraï s'est éteint le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans dans sa demeure de Douchy. En accord avec ses dernières volontés, aucune cérémonie nationale ne lui a été dédiée. Le père d'Anthony, Anouchka et Alain-Fabien Delon reposent désormais sur son domaine où ses funérailles ont été célébrées par Mgr Jean-Michel Di Falco, ancien évêque de Gap. Environ 40 personnes, minutieusement choisies, ont pu assister à cette cérémonie empreinte d'émotion, sans aucune photographie ou enregistrement, conformément aux souhaits de l'acteur. Nous avons respecté sa volonté, il n'y a aucune image, tout s'est déroulé comme il le souhaitait, a récemment rappelé Anthony Delon dans l'émission « L'heure des pros » sur CNews. S'entretenant avec Pascal Pro, l'aîné du clan Delon a néanmoins donné quelques précisions sur les funérailles de son père. « Tout s'est bien passé, exactement comme il le désirait. Il voulait 20 personnes maximum, mais il y avait finalement 45 proches, des amis et de la famille. » Cela s'est fait selon sa volonté. Il est parti là où et comme il le souhaitait. Chaque enfant a pris la parole. Vincent Lindon a lu un texte très émouvant et c'est à peu près tout, a-t-il confié. À l'occasion d'un ciné-concert intitulé Delon, le dernier samouraï organisé ce même vendredi 8 novembre au Palais des Congrès de Paris, Anthony Delon a partagé un hommage supplémentaire à son père via Instagram. Dans une vidéo en noir et blanc capturée le 31 mars 2022, les internautes découvrent un échange intime entre le père et le fils, qui avaient pour habitude de se retrouver deux jeudis par mois à Douchy. « Je pense que cette tradition est importante, non ?» demande Anthony à son père. Après un moment de réflexion, Alain Delon lui répond « J'espère que je mourrai un jeudi comme ça ». Cette réflexion provoque un sourire chez son fils qui répond en plaisantant « Bah, j'espère aussi ». En légende de cette vidéo, Anthony Delon précise « Il n'est pas parti un jeudi, mais un dimanche, j'étais là ». Par ce moment précieux partagé entre eux, Anthony Delon a souhaité rendre hommage à son père inoubliable.